la pie rouge de l'Est avait presque disparu, sauf chez quelques agriculteurs passionnés. Depuis 2012, un programme est en route pour relancer cette race mixte. On compte aujourd'hui près de 1000 bêtes dans les cantons de l'Est. En fait, beaucoup de jeunes éleveurs ne la connaissent pas. Parce qu'à l'époque où elle a quasiment disparu, ces jeunes éleveurs-là ne regardaient pas encore les vaches. Donc maintenant, ils s'informent, ils se rendent compte qu'il y a un potentiel sur cette bête-là. Donc j'espère bien que certains jeunes éleveurs vont se décider vers la race et qu'elle va évoluer. Maintenant, il ne faut pas non plus démier pour connaître ce qu'on connaît pour le moment au niveau des crises. Donc on veut rester sur un truc local et aussi avoir des jeunes éleveurs qui se lancent dans la race. Thomas Stephens, à Hondenval, a toujours connu cette race et en est un passionné. L'intérêt, c'est qu'elle permet une commercialisation autant du lait que de la viande. Dans le temps, il n'y avait que la rouge pie de l'Est. Hein. C'est parce que les gens se sont tapés plus sur le lait, alors ils sont partis sur la noire Holstein. Chez moi, à la maison, on a toujours eu des rouges. Et puis, moi, j'adore cette race-là. Je ne me vois pas faire la ferme avec une autre race que mes rouges. Donc, c'est une vache toute rouge, avec les quatre pattes blanches, le tout des pattes blanches. Le bout de la queue est blanc aussi. Et puis, c'est une bête rustique. Qui mange de l'herbe, rien que de l'herbe, une vache avec des beaux veaux, gentille, une vache du coin, une vache du pays. Thomas fait partie des 50 agriculteurs qui en élèvent aujourd'hui. Astrid, son épouse, le soutient entièrement dans cette démarche. Elle est toujours très fière de faire visiter la ferme aux touristes qu'elle accueille dans leur gîte. Moi, je suis toujours à la ferme avec les enfants, donc je ne les mets pas aux garderies. Et les vaches, il n'y a rien à faire. C'est aussi une autre façon de vivre et de voir l'éducation et la vie pour nos futurs enfants. Donc on a choisi cette vie-là parce qu'on voyait tous les deux la vie comme ça dès le départ avec Thomas. Il m'a appris à aimer la race. Dès le départ, c'était une chose qui était sûre et certaine, c'était qu'on allait continuer dans cette direction. Ça va pas la petite. Je dois aller amener des draps au gîte. Appuyez-toi. Quoi, non? Oui, on va rentrer. On va boire le café.